Initiating system 1. System 1 loaded. Et hoyo, c'est Gunsho. Et aujourd'hui, je suis sur un nouveau jeu. Il s'appelle Blood and Soul. Donc voilà, ce jeu, je l'attends depuis qu'il a été annoncé, on va dire, par les devs du blog, on va dire, de NSoft, voilà. J'y suis. Donc là, cet épisode sera consacré, on va dire, à la création de mon personnage. Donc on va dire, sera l'épisode 00. Donc voilà, donc c'est parti. Allez, on va créer un personnage. Ok. Alors. Ok. Les maîtres du sabre sont des guerriers équilibrés qui manient l'épée avec une grande précision. Ils peuvent aussi bien esquiver les attaques qu'abattre l'ennemi avec une dextérité dévastatrice. Ok. Alors, section de la race. Les maîtres du Kung Fu sont des armes vivantes capables de. Maîtrisant leur chi intérieur, les maîtres des éléments manipulent la nature. Maîtrisant leur chi intérieur, les maîtres des éléments manipulent la nature pour attaquer leurs ennemis à distance. Hey, que la... Okay. Les maîtres du Kung Fu sont des armes vivantes capables de détruire leurs opposants par leur seule force physique. Maîtrisant leur chi intérieur, les maîtres des éléments manipulent la nature. Maniant d'énormes haches, les destructeurs sont des combattants de première ligne. C'est vraiment sexy, hein. Maniant d'énormes haches, les destructeurs sont des combattants. Maîtrisant leur chi intérieur, les maîtres des éléments manipulent la nature pour attaquer custom. Leurs ennemis à distance. Maniant les flammes, la glace Les maîtres du sang sont des guerriers équilibrés qui manient l'épée à... Les assassins utilisent l'agilité, la ruse et des techniques. Je pensais faire un mage, mais non, en fait, je pense que je vais faire un. Sont des guerriers équilibrés. Je vais faire ça, moi. Mettre du staff, ça m'intéresse. Ils peuvent aussi bien esquiver les attaques. Les maîtres du sabre sont des guerriers équilibrés. Ouais. Je préfère un autre. Les maîtres du sabre sont des guerriers équilibrés qui manient l'épée. On va faire un comme ça. Décoration, ok. Ah. What? Ok, d'accord. Donc, je vais les poser devant. Ah ouais, j'aime bien comme ça. On va faire un peu quand même le design de Terra, je me aventurerai pas sur ce sujet. Donc voilà, mais bon. Bref. Est-ce que j'ai un garçon? Vous saignez? Ça viendra. Les cieux veillent sur moi. Cours ! On va s'amuser ! Non. Je suis prêt pour l'aventure ! Pour l'honneur et la gloire ! Mes ennemis ploieront devant moi ! Mon destin est tracé ! Tia ! Moi j'aime bien comme ça. Je suis très droit. Merde, comment je peux enlever? Ok. Alors, ouais, on va voir.
va être long, hein. Moi je vous dis, ça va être long. Ma voix. Shine. Non, mais c'est...
lol. Que j'en ai une décollage sur le vol. Ouais, c'est comme ça. Maquillage. Jeune. Je vais mettre tout ça. Le son des sorciers.
chelou. Bref, c'est peut-être le menton aussi, j'ai à changer, ouais. C'est bizarre le menton. on va un petit peu réduire ça, hein. Taille du menton. Ouais. Bon petit menton, voilà. Menton d'homme. Donc voilà. Taille du menton, ok. Largeur de la pointe. Voilà, il ressemble à quelque chose. Normal, c'est trop drôle, c'est super main quoi. Alors ça c'est de l'argent de ça. Je pense que j'ai fini de créer, on va dire, mon personnage. Donc voilà.
qu'après, il faut que je trouve la serveuse. Voilà. Et. Gunshow vient de la partie. Voilà. Gunshow. Quoi? Possible. Ok, quelqu'un m'a pris mon pseudo. Ok. Voilà, bon, ben la création de mon personnage est finie. Donc, je vous dis à plus tard sur ce jeu pour commencer l'aventure. Donc, voilà, c'était Gacho. Bye bye!